30-40. Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet, votre rendez-vous 100% tennis. La dernière avant la reprise du tennis le 31 janvier, toujours bien accompagnée. À commencer par Benoît Mélin et sa crête. Quand la crête est sortie, c'est que tout va bien généralement pour nos Français. Mais bien sûr. Il n'y avait pas de quoi quand même, franchement. Ouais. Non, mais il y a eu. Mais à un moment, il ne faut pas regarder toujours le verre à moitié vide. On a des joueurs. Qui se sont qualifiés. Un joueur et des joueuses qui sont qualifiées pour l'Open d'Australie. Mais je vais vous lâcher une information. Sachez que nous n'avons plus la Joconde ce soir. Ah bon ? Nous avons Jessica Rabbit. Vous ne pouvez pas le voir, mais elle a une robe rouge qui lui dessine le corps. Un truc dingue. Mais une dinguerie. Il le voit. C'est mes parties de tennis. Non, il faudrait une caméra qu'on puisse voir un peu. Il faudrait que tu aies les cheveux rouges comme ça. Mais oui, c'est dingue. Les cheveux rouges, écoute, je ferai ça pour le 31. Julien Pichenet est également avec nous. Bonjour. Je voulais m'accorder à ton cahier rouge, mais il n'y a plus de cahier. Non, mais aujourd'hui, pas de cahier, parce qu'avec une finale qui se termine par 2-0 à Bandung. Et ça aurait juré avec ta robe. Donc il ne pouvait pas. Juste un petit truc, j'ai passé la journée avec Benoît. Quelle chance. Il a gardé cette crête, tout. On s'est baladé dans Paris. Le temps. Au café, crête, là, au café, au petit déjeuner. Déjà, on avait la crête. Un resto à midi clandestin. Là, ah ouais, ouais. Oui, non, bah, on déconne pas. Il raconte des bêtises, évidemment. Ouais, non, mais pour le coup, non, ça c'est faux. Mais le fait qu'il avait sa crête depuis le début de l'après-midi, ça c'est vrai. Ouais. Ça m'étonne pas. Je suis arrivé à Winamax, il avait déjà sa crête. Non, mais il l'avait pas deux secondes avant l'émission. Il se met en condition. Je pense qu'il ne perd pas de temps. On a plein de trucs à dire. Alors. D'abord, on va saluer parce que c'est très important. Tomic. C'est eux qui nous font vivre. Non, on va pas saluer Tomic. Bien sûr. Saluer ceux qui nous regardent. Salut à vous sur le chat Winamax. C'est Bergwin qui nous dit Julien, tu es le plus drôle de France. Bon, c'est à voir. Le plus drôle des Juliens. Voilà. Non, mais il y a Juju Varlet aussi. Bah, non, Varlet, il n'est pas drôle. Hein, non. Il y a Julien Lepers. Il y a Julien Lepers. Ah, Julien Lepers. C'est vrai que Julien Lepers, il est fort. C'est vrai, on vous salue aussi. Julien Clerc est très drôle aussi. Oh. Sur le chat YouTube, salut Alex, Guicou, Clément, Louis, Djokovic National, L'œuf enchanté, Table Tennis, Moïse Enzo, Alex et Gilles, Aurélien, Nicolas. Au pays de mes rêves. Au pays de mes rêves. Touria, Dani, Oum, Walid, et puis voilà, merci à tous d'être avec. Il y en a encore d'autres, mais il paraît qu'il y en a un qui s'appelle Lapiche. Oui, il y en a un qui s'appelle Lapiche. Ah, pourquoi pas Lapiche. Non, hey. Ça, c'est pas possible, ça. C'est marque déposée, les amis. Ça, c'est marque déposée, vous n'avez pas le droit, Lapiche. C'est pas une marque déposée, c'est mon nom de famille, c'est la contraction de mon nom de famille. Donc. Puis alors là, je peux vous dire qu'il n'est pas drôle. Pas pensé, et là, il n'est pas drôle. J'ai des très bons avocats qui ne plaisantent pas, attention. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker cette émission, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de Sans Filet et des émissions de foot également. Au sommaire de cette émission. Ah, Marie, est-ce que Tomic est dans le sommaire ? Non, il n'y est pas. T'as pas mis Tomic ? Non, j'ai pas mis Tomic. L'Australian Open, donc, trois Français qualifiés pour le tableau principal et plein d'autres informations que Benoît Mélin nous livrera. Un petit quiz spécial Australian Open pour finir cette première quinzaine de tennis. Parce qu'à la base, on devait parler d'Antalya. Il n'y a pas eu de finale. Donc on dira il y a eu une finale. Un petit mot, mais voilà, on ne va pas rester 15 minutes sur Antalya. Ouais. Si. Delray Beach, maintenant, se demandera qui de corda ou Urkach soulèvera le trophée. Enfin, Abu Dhabi. Retour sur le sacre de Sabalenka qui signe une 15e victoire consécutive et surtout un 3e sacre. Oui, bah, là aussi, on ne va pas passer non plus un quart d'heure sur Sabalenka. Non. Bon. C'est vrai, exactement. En tout cas, place au jeu, les amis. Bon. Ouais. Il faut que tu changes ça, là, en place au jeu. Parce que moi, j'allais me lever. Ouais, le jeu, tu vois, le jeu. On est perdu. Non, c'est pas bon, ça. Comment ils disent les arbitres, tu sais, pour commencer le match, comment ils disent ? Play. Jouer. Ready, play, jouer. Ready, play. Tu joues sur les mots, là. Bon, Benoît Mélin, t'as plein de choses à dire. On va parler des qualifs de l'Australian Open. On vous rappelle, dernier tour à Doha et Dubaï aujourd'hui. Le bilan tricolore est mitigé. Ben, oui, c'est pour ça que je comprends pas. En fait. Oui, mais je comprends pas alors, ce que je non, vois. Non, chez les femmes, c'est très bien. Oui, c'est pour ça. On a eu deux Françaises sur trois. Bah, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est vrai que côté tableau masculin, bon, on est là, un petit peu déçus. Tous ceux que tu voyais gagner hier, les Müller, les Rinderknecht, Bon, ça pique un peu. Barrère. La déception, c'est Greg Barrère. Bah oui. On avait vu gros comme une maison. Il a perdu en 2-7 contre. Et perso, la frustration, c'est Constant Lestienne. Ah oui. Très frustré. Ah bah, il peut. Constant Varlet-Lestienne. On n'a pas osé appeler Julien Varlet. On rappelle, on rappelle que Constant Lestienne perd 6-7, 6-3, 6-4.
Il mène 5-1 dans le premier set. Donc déjà, tu te dis, bah, il déroule. Bon, il va quand même réussir à gagner le premier set qu'au tie-break. Derrière, il perd le deuxième. Et il mène 4-1 dans le troisième set. Avec 2 balles de 5-1. Et malheureusement, bah, il se fait dessus. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, moment, c'est ça, il se fait dessus. Quoi. Bon, on rappelle qu'il n'est jamais, sorti des qualifs d'un tournoi du Grand Chelem. Donc voilà, ça a sûrement joué. C'était le match le plus important de sa, sa jeune carrière. Oui, mais attends, il jouait aussi sa Fioline, qui est mieux classée que lui, qui est resté costaud, qui a bien joué. Enfin, bon, oui, mais tu peux avoir les boules quand tu as mené 4-1 dans le Mais c'est même pas les boules que tu as, mais tu bouffes le vestiaire, quoi, tellement tu dois avoir les boules. Bon, on pense à toi, Constant, en tout cas. Et puis le jeu de 4 partout, on sent vite que c'est compliqué. Il est mené rapidement 15-30. Ça, c'était la grosse frustration. Oui, mais il y en a eu plein. Tous les Français qui ont perdu. Alexandre Muller qui joue Karatsev, il a mis des doudounes sur les deux premiers matchs. Tu te dis, bon, il va y avoir bagarre. Il se fait défoncer en 59 minutes. Barrère, c'est une déception quand même. Barrère qui sert très mal. 3 et 4. Greg Barrère qui sert très mal, 50% de première sur l'ensemble du match. Et voilà, Et Rinderknecht alors. Contre mot, Il a eu une balle de deuxième set. Ça, tu vois, il a eu une balle de deuxième set. Bon, malheureusement, il a converti. Mo, c'est un sanguin. Il a une fighting spirit. Un fighting spirit assez impressionnant, je trouve. Et quand il est impliqué, il est vraiment fort. Non, mais d'accord. Bon, alors, okay, on parle des perdants. Vous ne parlez pas de Max Cressy, qui, évidemment. Franco-américain. Il est franco-américain. Mais on va le prendre. Max Cressy. Contre Dustin Brown. Qui a quand même fait un très beau match contre Dustin Brown, comme tu l'as dit, ma Jessica Rabbit. 7-6-4. 14 ace, il est breaké d'entrée, Brown sert pour le set, il revient, il gagne en 2-7, super match de Max Cressy, on le sait, grosse puissance, voilà, il est qualifié pour le tableau final de l'Open d'Australie. Deuxième grand tableau de suite en grand chelem pour lui. On n'a surtout pas parlé de Quentin Alice. Pourquoi deuxième? Oui, mais enfin, il avait une wild card à l'US. Oui, mais quand même, il est présent dans le grand tableau. C'est bien. On aurait pu commencer par le positif, oui. Et puis, Quentin Alice. Ah, c'est bien de terminer par le... Tu commences par les trucs qui te font un peu mal. Ah, il faut toujours commencer par les mauvaises nouvelles, Marie. Et Quentin Alice, voilà. Quentin Alice, moi, vraiment... Contre Robin Haase. Oui, pas évident. Pas évident, ce match. Et puis, tu te dis qu'il arrive à s'en sortir en jouant bien, en étant solide. Et on sait que Quentin, souvent, a quelques petits soucis au niveau du mental pour arriver à passer la barrière, pour être là, quoi. Mais il a ce vécu. Les seuls tournois de Grand Chelem où il a réussi à se sortir des qualifs, c'est à l'Open d'Australie, 2 fois de suite. Et bien là, 3e fois de suite, il sort des qualifs. Bravo, mon pépère. Donc, il passe un tour dans le tableau principal, ce serait bien. Prochain objectif. Ce sera son 5e Open d'Australie dans le grand tableau. C'est beaucoup quand même pour un joueur. Tout en rappelant que quand il sort des qualifs de l'Open d'Australie en 2018, il joue Casper Ruud au premier tour et il va perdre 11-9 au 5e set. C'est vrai. Et puis derrière, hop, il sort des qualifs à l'Open d'Australie l'an dernier quand il y avait le feu partout dans le pays. Et c'est Milojevic. Krajinovic au 5e set, un match de dingo et tout ça. Donc voilà, et puis Quentin, on lui était un peu rentré dans l'art aussi à Roland-Garros. Voilà, il est là, bravo mon pépère, t'y es, amuse-toi. Quoi. On va citer tous les qualifiés, parce qu'on nous demande. Tous les qualifiés. Vas-y, dans l'ordre. Alors il y a Immer, déjà. Alors c'est pas dans l'ordre. Non, c'est pas dans l'ordre, c'est dans l'ordre... Immer, qui est le frère de, qui est 204e mondial et qui a fait un très beau match contre Taro Daniel, qui était largement mieux classé. Il se qualifie souvent dans les grands tableaux de Grand Chelem, les deux frères Immer, mais après, une fois qu'ils sont dans le grand tableau, il ne se passe pas grand-chose. Ils ont un bel qualif. Ils ont un peu du mal à franchir ce cap. À faire Tu crois qu'il a fait comment, Juju Barlet? C'est hyper dur. Non mais à un moment ou à un autre. Non mais c'est des joueurs immenses, c'est des carrières immenses. Mais j'aimerais puisque vous êtes des Winamis, à un moment ou à un autre, il faut se rendre compte de la difficulté qu'il y a de sortir de ces tableaux de qualification dans les tournois Grand Chelem. Il faut se rendre compte que c'est terrifiant. C'est sublime, c'est à la fois terrifiant et sublime. C'est pour ça qu'on a dit que c'est déjà terrifiant de jouer sur le circuit futur. C'est terrifiant de jouer sur le circuit. Mais c'est déjà dur de battre un 15-2. C'est terrifiant d'arriver sur le circuit ATP. Et là, arriver sur les tableaux des qualifs, les mecs, ils sont prêts à tout, quoi. Et donc, quand ils arrivent, c'est extraordinaire. Il faut le dire, c'est extraordinaire. Bien sûr.
Alors, on continue dans l'extraordinaire. Laaksonen, qui s'est qualifié en 3-7. Ouais. On a Vileia, également. On le connaît moins, lui. C'est un de ceux qu'on connaît le moins parmi les qualifiés. Espagnol. Ouais. On a Kopians contre Dzumur. En 2-7. Excellent junior. Et après, on ne l'a pas vu confirmé chez les seniors, les résultats. C'est un amour. Alors, sachez qu'il nous regarde en plus. Et Kopians. Ah, il nous regarde ? Ah, ouais, il nous regarde. Et j'adore ce gars qui est d'une gentillesse absolue. Là aussi, problème mental dans la tronche. Et là, qui a réussi à sortir Dzumur. Ça, c'est un. C'est... Ah, c'est de la perte. 2-6-0. C'est la perte. Il lui met 2-0 pour se qualifier pour son premier tableau final en Grand Chelem. Vas-y, mon Timur Kopians. Troïki, bon, qu'on connaît bien. Hein, ouais, Troïki, mais faut y arriver. Non, mais Troïki, on l'enterre beaucoup en ce moment parce qu'il ne gagne plus un match. Il était totalement inattendu, là. Alors, on a le copain de Julien Pichenet, hein, Stakowski, qui est passé. Bravo, Julien. Sweeney, il m'a fait peur dans le premier set. Kopian, ça a déjà joué Roland Garros. Hein. Tu disais premier. Dans le tableau final ? Oui, deux fois. Il était sorti. C'est pour ça que ça m'a fait tilt quand je vérifiais. Mais Australie, c'est une première. Mais tu as raison de me corriger. Stakowski, du coup. Stakowski, ouais. Le vieux roublard. Non, mais c'est bien, parce qu'il y a des roublards, là, Stakowski, Tomic, il y a des beaux noms aussi. Tomic ! Ah oui, Tomic est là ! Mais alors ça ravit la twittosphère, le retour de Tomic. Parce qu'on adore le détester, en fait, Tomic. Quoi. Ben oui, on adore c'est le détester, ça. Mais moi, j'aime la nonchalance, ça peut être un défaut, mais c'est aussi un style. C'est aussi un style. Et le style Tomic, ce style nonchalant, je le trouve extraordinaire. Moi, je rêverais d'avoir ce style-là. Ouais, si je devais choisir entre un gars qui hurle, qui sue, qui ça a l'air d'être dur, machin, moi, je préfère avoir joué comme Tomic ou Rios sans transpirer. Quoi. Mais comme un Benoît Paire. Enfin, t'as l'impression que ces mecs-là ne mettent rien, mais ils sont là. Enfin, c'est bien ça, sûr, qui est très perturbant quand tu joues contre eux. Tomic, quand il donne l'impression parfois de rien mettre, il ne met vraiment rien. Ouais, mais bon, là. Il faut quand même lui reconnaître un certain panache. Oui, attends. Il gagne au super tie-break. Donc déjà, on a appris qu'il y avait un super tie-break dans le troisième set, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, donc on ne savait pas trop où il s'y mais non, mais c'est vrai que c'est logique avec l'Open d'Australie qui a mis en place. Donc on rappelle que, en qualif, quand tu arrivais au tie-break du troisième et dernier set, tu devais gagner le super tie-break en 10 points. Et c'est vrai qu'on s'est posé les questions avec Marie et la piche, mais on ne savait pas. Donc on a découvert ça. Sauf que le pépère, il le fait, alors pas au premier tour, il gagne quand même en 3-7. Au deuxième tour, il gagne au super tie-break en sauvant une balle de match contre un autre Australien. Et il rejoue un autre Australien au troisième tour qualificatif qu'il va battre à nouveau au super tie-break. Et Tomic, il ne faut pas lui mettre un Australien dans les pattes. Parce que ça, il déteste ça, il veut pas. C'est l'enfant terrible. Il avait des choses à prouver. Il est extraordinaire. Évidemment, parce que s'il avait une wildcard, ça aurait été un scandale. Une wildcard, pardon. Ça aurait été un scandale parce qu'il ne la méritait pas. Il fait une année 2020 dégueulasse, il n'y a rien dedans. Dégueulasse. Après 2020, on mettra entre parenthèses. Il n'a pas joué. À partir du moment où il y a eu le premier Covid, en plus il est fou. Il s'est arrêté en mars. Mais il a fait croire qu'il a eu le Covid alors que c'était pas vrai. Mais non, ce mec est dingue. Avec une préparation, je sais pas si vous avez mon tweet, mais enfin bon, j'ai pas osé montrer les photos les plus gore. Non, il a fait des photos olé olé avec sa copine. C'est Tomic en boîte de nuit, en boîte de nuit. Avec des fesses partout. Oui, mais il est maqué maintenant, il a sa copine et il fait des photos. Il est maqué, il est maqué. Il faut rappeler, ça se dit, has never been, c'est un peu un has never been, Tomic, parce qu'on s'attendait tellement à ce qu'il fasse quelque chose, mais c'est eux-mêmes, c'est son staff, lui et son père, qui claironnaient qu'ils allaient tout casser. Le père de Tomic a quand même dit que son fils allait être numéro un mondial. C'est compliqué à gérer ça. Hein, non, mais son père, il est complètement barré. Avant de s'en aller de Tomic, puisque je vous rappelle que la fiche après a été terrible. A rêvé. C'est vrai. A rêvé avant Bernard Tomic. Allez, en finale. Il rêve jusqu'en finale de l'Open d'Australie. Non, alors, il faut savoir que la dernière fois que Tomic a gagné 3 matchs d'affilée, puisqu'il a réussi à le faire, là, pour se qualifier pour le tableau final de l'Open d'Australie, la dernière fois qu'il a fait ça, c'est il y a longtemps. Et quand il avait réussi c'était ça... C'était sous Giscard, non ? Eh bien, il avait gagné. Il avait gagné le tournoi. Tu te rends compte de ça ? Il avait gagné le tournoi en battant Félix Auger-Aliassime, qui n'était pas encore parmi les 100 premiers mondiaux. Il avait battu Joao Souza. Il avait battu Fabio Fognini en finale, qui était numéro 13 mondial, en sortant des qualifications. Et il avait réussi à gagner le tournoi à Chengdu en septembre 2018. Tu veux la cote de Tomic remporte l'Australian Open, je l'ai. Hein. Ah ouais. Parce que là. Non mais je l'ai vu en finale moi mais. Ah bah oui, il devrait faire un livre. Mais Tomic. Alors. C'est pas Tomic qui doit faire un livre. C'est la piche qui doit faire un livre sur Tomic. Et 200, là on va rigoler. Tu mets l'euro symbolique. Non mais je. Oui, un euro pour.
Pour, mais, ton mais, rêve. Non, mais j'ai rêvé qu'il était en finale, mais mon rêve s'est arrêté le matin de la finale. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, il faut je ne sais pas contre qui il jouait. Mais il faut quand même se rendre compte que ce gars-là est le seul hein, dans toute l'histoire du tennis, enfin, depuis le début de l'Européenne, qui avait gagné le championnat du monde junior, donc on appelle, enfin, le championnat du monde, on appelle ça l'Orange Bowl. Il l'avait gagné chez les minimes, chez les cadets et chez les benjamins. Il n'a pas fait junior parce que ça le faisait chier. Mais il avait réussi ces trois années-là consécutivement à gagner ce championnat du monde où tu as tous les meilleurs de la planète qui se retrouvent pour jouer ce championnat. Et il l'avait gagné. Et quand il fait son premier quart de finale en Grand Chelem à Wimbledon en 2011, il a 18 balais, il sort des qualifs. Il est au-delà de la 150e place mondiale. C'est plus jeune quart de finaliste. Mais c'était fou. De Wimbledon depuis Becker. C'était fou de le voir jouer comme ça. Enfin, le mec marchait, quoi. C'était dingue. Le problème, c'est qu'il a un tennis qui est merveilleux. Mais il a là, dans la tronche. Bon, c'est ce qui fait son charme aussi. C'est moisi, ouais. Quoi. C'est pas beau, quoi. Ouais. Ça, le problème. Mélange de boulard, d'arrogant. Mais il a été trois fois huitième de finaliste à l'Open d'Australie. La dernière fois c'était en 2016, personne s'y attendait. En 2012 il le fait, en 2015 il est en train de nous chauffer sur Tomic. Mais non, mais Tomic, il faut en parler, c'est important. Voilà. Oui, après oui. Le problème c'est comment, sur les trois semaines et demie qu'il sépare des qualifs jusqu'au tableau final. Quelle va être sa prépa? Bah, il faut qu'il aille en boîte de nuit. Il faut qu'il se fasse des lap dance, des trucs de dingue. Elles sont ouvertes les boîtes de nuit en Australie. Mais il va les ouvrir chez lui dans son salon. Mais voilà, si Tomic, enfin ça. Tu vois, il a un objectif, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Et j'espère qu'il va jouer à fond. En tout cas, on va suivre avec intérêt son premier tour. C'est ça, sur ce sera le fil rouge. Je peux dire que le mec qui va s'arrêter vite. Fil rouge qui peut. Non, mais il ne va pas rigoler parce que Tomic, tu ne sais pas du tout ce qui peut se passer. C'est ça qui est compliqué avec ce gars-là. Quoi. On continue dans les qualifiés. On a le tchèque, Machak, on a Safiulin. Un jeune prometteur. Ah, parce qu'il n'arrête pas de te dire. Machak, il m'avait parlé de Daniel Evans en 1987. Et là, il n'arrête pas de te parler. Et là, il me dit Machak, attention à Machak. Non, mais son année de naissance, il est 2000 aussi, Machak. Il est 2000. Oui, il y en a un surtout. Alcatraz en 2003. C'est ça. Hein, Alcaraz, il a plu. Oh là là. Je sens qu'on va l'appeler Alcatraz tout le temps. Lui. Oui, mais non, il faut quand même Alcaraz. Mais si, parce que c'est le seul qui sait. Bah, il y a eu Clint Eastwood. Hein, bon, mais Alcatraz, lui, vraiment, il est dingue, ce gamin. Il est dingue, à suivre. Hein. Mais enfin, sans rire, j'ai pas vu tous ses matchs. J'en ai vu que deux, pardon. Mais je le trouve quand même très impressionnant parce que quand il bat Oranski au premier tour, il perd le premier set. Tu te dis, c'est mal barré. Derrière, il lui met 6-1 et il va gagner en 3-7. Mais le mec était 184e joueur mondial, Oranski. Alors qu'on rappelle qu'Alcaraz est 141e, je crois. C'est ça, un truc comme ça. Il a 17 ans. Il est 2003. Il y a des mecs en ce moment qui ne sont pas dans le top 100, qui sont impressionnants. Mais après, il va battre Karlovski en 2-7, qui est assez loin au niveau du classement, qui est 250. C'était logique. Mais surtout Delien, qui réussit à battre au troisième tour qualificatif en lui mettant une doudoune, 6-2, 6-3. Le mec est mieux classé que lui, beaucoup plus d'expérience. Et il ne s'affole pas, quoi. Voilà, si vous avez la possibilité de le suivre, suivez-le. Le gars fait 1m85, taille tout à fait acceptable. Présence physique. Pour l'instant, il fait 72 kilos. Mais bon, il va travailler. Et encore, ce n'est pas évident, puisque comme il est avec Juan Carlos Ferrero, qu'on appelait El Mosquito, c'est pas évident qu'il prenne beaucoup de muscles, mais il va falloir qu'il en prenne un petit peu, tu vois, qu'il monte à 78 kilos, qu'il prenne un petit peu de puissance, de... voilà, comme ça. Mais ce gars-là est impressionnant. Les gens s'enflamment pour Alcaraz. Hein. Je te le dis tout de suite. Il faut se rendre compte qu'en 2020, ce gars-là va gagner 5 titres. En 2019, bon, on le surveille, mais il n'y arrive pas trop, il gagne un futur. Le mec n'a gagné aucun tournoi depuis l'année de ses 15 ans, c'est un scandale. C'est un scandale. Un scandale. C'est une grosse boule. Et en 2020, il va gagner 5 titres. 4 sur terre battue, certes, mais il gagne un petit peu sur toutes les surfaces. Il gagne 2 futurs d'affilée en tout début de saison 2020. Et il va finir par gagner 3 challengers, dont 2 d'affilée pour finir la saison 2020. C'est-à-dire que c'est 39 victoires pour 7 défaites pour Alcatraz sur l'année 2020. C'est complètement dingue. Mais surtout, il va battre des top 100. Ouais. Il va battre notamment Ramos dans un match dingue à Rio.
à Rio, un match qui va durer quasiment 3 heures. C'est là qu'on a vu que c'était un phénomène. C'est un phénomène. Présence physique hors norme, mentale hors norme. Alors après, tu dis, ok, d'accord, le mec, il gagne. Mais bon, ouais, mais quand c'est tendu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur les matchs qui se sont joués au meilleur des 3 sets, il en a gagné 15 sur 20. 15 sur 20 jusqu'à aujourd'hui. Et tu te dis, ouais, d'accord, et les tie-break? Eh bien, sur les tie-break, il en a gagné 15 sur 17 jusqu'à aujourd'hui. Ce gars-là, mentalement, c'est une montagne. À 17 balais, c'est une montagne. Physiquement, il va falloir qu'il monte un petit peu plus sur les tours pour jouer les matchs au meilleur des 5-7. Si Djokovic ne les enlève pas des tournois du Grand Chelem. Mais toujours est-il que lui, ce gars-là, en 2020, T1, on va le surveiller de très très près, qualifié pour le tableau final. Non, mais lui, Tomic, tout ça, là, on attend avec impatience. On finit avec les qualifiés. On surveille plus la 4 phase. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pas Tomic, c'est Tomix. Mais quand le tirage au sort va tomber, tu vas être intéressé de voir contre qui Tomic. Bien sûr. Ah bah si c'est Tomic Kyrgios, c'est cultissime. Ils peuvent pas se battre. Ah bah là, ils ne se supportent pas. Allez, on continue, il y a Karatsev également, on a le néerlandais Van de Zandschulp qui a sorti Mathias Bourg, on a fait le tour, on a Ferreira Silva qui a battu Greg Barrère, voilà pour les qualifiés masculins. On va pouvoir passer aux femmes maintenant. J'ai fait le tour. C'est vrai, t'as fait le tour. On va pouvoir passer aux femmes et c'est important parce qu'elles nous ont régalé, Clara Burel et Chloé Paquet qui décrochent leur ticket pour Melbourne. Il n'y a que Harmony Tan qui s'est inclinée, bien senti ça. Qu'est-ce qui... bien senti. Mais voilà, bravo Clara Burel. Ah non, excuse-moi. Il avait encore un truc à dire. Est-ce que je peux t'interrompre? Mais vas-y. Parce que ton émission. Benoît. Vous savez que c'est un énorme merdier. Oh, les Lucky Losers. Pour savoir. Et j'ai plein de questions. C'est les Lucky Losers, hommes et femmes. Hein. On rappelle que pour les hommes comme pour les femmes. De toute façon, il y a 6 Lucky Losers qui sont annoncés pour l'Open d'Australie. Au cas où il se passe des voilà et machin. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Non. Donc il faut savoir qu'en fait, comme John Isner, Christian Garin ont déclaré forfait pour l'Open d'Australie. Il y a logiquement 2 lucky losers des qualifications qui vont rentrer pour prendre la place de John Isner et Christian Garin. Or, ces 2 lucky losers, on va les tirer au sort. Ça va être les 2 meilleurs lucky losers du dernier tour qualificatif au niveau du classement. Donc ça veut dire Greg Barrère, ça veut dire Delien dont on a parlé, ça veut dire Taro Daniel le japonais et Zumur. Voilà, ces 4-là, qui sont les meilleurs au niveau du classement, vont être tirés au sort. Ces 2 mecs, les 2 tirés au sort, vont remplacer Isner et Garin. Mais on ne sait pas qui c'est pour l'instant. Ça va tomber, mais on ne sait pas pour l'instant. Donc 50% de chance que Greg Barrère se retrouve, bah, peut-être, lucky loser pour le tableau final de l'Open d'Australie. Après, bien évidemment, on va leur demander, est-ce que vous voulez y aller? Bah, parce que oui, ce n'est pas du tout évident. Parce que, donc, tu vas prendre ces 2 mecs-là. Il va en rester 4 derrière qui potentiellement vont pouvoir aller à l'Open d'Australie dans l'attente qu'il y ait des désistements au dernier moment quand on est là-bas pour pouvoir prendre leur place et jouer les qualifications des tournois à Melbourne qui vont jouer juste avant l'Open d'Australie sur la semaine juste avant. Mais est-ce qu'ils vont vouloir y aller? Parce que c'est très compliqué. Oui, il y a de l'argent en jeu. Si tu perds au premier tour de l'Open d'Australie, tu gagnes 62 000 euros. C'est énorme. En enlevant les taxes, hein, il y a à peu près 30% de taxes quand tu es en Australie. Mais tu gagnes beaucoup plus d'argent que si tu restes en Europe pour jouer des challengers, bien évidemment. Donc c'est un choix à faire. Mais il ne faut pas que tu sois positif si tu es en Australie. Il ne faut pas que tu sois qu'à contact, parce que sinon tu ne pourras pas repartir, tu ne pourras pas jouer. Donc il y a tout un choix et on va demander aux joueurs, enfin c'est normal, hein, est-ce que vous voulez y aller ou pas? Donc pour l'instant, on ne sait pas, on attend. Alors j'ai une info. Et on vous tiendra au courant. Une petite info, regarde le tweet Hugo... Jessica Rabbit, vas-y. Hugo Delienne qui a dit, c'était pas possible aujourd'hui, super match pour Carlos, mais la chance était de notre côté. 2 lucky losers ont été tirés au sort et je suis l'un d'entre eux. Avec Zumur, non? C'est ça? Peut-être, mais en tout cas Delienne serait, en tout cas selon son Twitter, serait de la partie. Donc ça veut dire, imaginons que Greg Barrère, qui lui est le meilleur classé éliminé au troisième tour des qualifications de l'Open d'Australie. Si jamais Barrère n'est pas là-dedans, il va être remis dans le chapeau des autres qui pourraient être
acceptés à l'Open d'Australie s'il y a d'autres désistements sur des cas positifs ou des mecs qui ne veulent pas y aller ou des mecs qui se blessent. Enfin, il peut se passer n'importe quoi. Mais encore faut-il que ces gars-là veuillent y aller. Tu vois, je pense à un gars comme Arthur Rinderknecht qui a perdu au troisième tour des qualifications, qui est un joueur qui a peut-être plus intérêt à rester en Europe, à jouer des tournois de Challenger en indoor où il est super fort, où il en a gagné plusieurs, pour peut-être faire de la confiance, ramasser des matchs. Alors, certainement pas la monnaie qu'il pourrait gagner à l'Open d'Australie, c'est sûr et certain, mais toujours est-il que, voilà, après, ils vont revenir en Europe. Tous ces gars-là vont revenir en Europe après l'Open d'Australie. Mais enfin, est-ce qu'ils pourront? Voilà, hyper compliqué à mettre. En tout cas, pour le moment, voilà, Delienne, c'est fait. Il reste une place pour le tableau principal. Ah, oui. Apparemment, Tic Tac Boom nous dit Taro Daniel, serait tiré au sort. Donc apparemment, ce serait Delienne et Daniel. Je te crois, Tic Tac Boom. Okay. Je te crois. Donc Daniel et Delienne seraient les deux joueurs qui remplaceraient Isner et Garin. Sans oublier qu'il y a aussi Bublik dans l'histoire. Qui est blessé à la cheville. Qui a pas pu jouer sa finale, qui est blessé à la cheville. Mais bon, la cheville, à la rigueur, tu fais l'effort, tu y vas. Va, Bublik, Oui. Mais voilà. Vu le prize money, il va y aller. Donc ça veut dire que Barrère devient le numéro 1 des lucky losers qui ne sont pas tirés au sort. Mais est-ce que tu y vas, c'est ça? Et est-ce que tu y vas? Après, il va y avoir du Dzumour, il va y avoir du Stebe, il y aura du Rinderknecht qui est dans la liste potentielle de ceux qui pourraient y aller. Alexandre Muller aussi pourrait avoir l'autorisation d'y aller, mais bon. En gros, tous ceux qui ont perdu au deuxième tour. Non, pas tous. Non, mais on est bien d'accord. On va dire que Constant Lestienne a une petite chance, mais ça commence à être un petit peu loin. Mais il est, on va dire. Il y aura d'autres forfaits, c'est évident. Il y aura d'autres forfaits pour des raisons. Oui, mais est-ce que tu y vas? Est-ce que tu pars? On rappelle, on va leur donner 10 000 dollars australiens pour passer cette quarantaine sans que ça coûte beaucoup d'argent. Et avoir le droit de jouer les qualifications des tournois 250, Melbourne 1, Melbourne 2, juste avant l'Open d'Australie. Mais après, OK, vous allez peut-être monter au créneau en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est n'importe quoi. » Dans l'absolu, non, il ne faut pas dire ça. C'est quand même, on met en place... L'ATP, comme la Fédération internationale de tennis, met en place des possibilités pour tous les niveaux, pour tous les joueurs, de pouvoir jouer au tennis en tant que professionnel et gagner un peu d'argent. Effectivement, c'est un petit peu nébuleux, mais toujours est-il qu'on met en place tout ce qu'il faut pour que tout le monde puisse jouer au tennis. Et je trouve ça déjà extraordinaire. Ouais, je précise juste, vous êtes beaucoup à en parler, que le tirage au sort aura lieu cette semaine, de l'Open d'Australie. Oui. Samedi, oui. À 8h, heure de Paris. Et c'est assez étrange parce que c'est la première fois de toute l'histoire du tennis qu'un tirage au sort de Grand Chelem a lieu une vingtaine de jours avant les premiers coups de raquette du grand tableau. Non, mais c'est fou. Mais pour le coup, c'est bien pour nous, c'est bien pour les 8 amis parce qu'on aura quand même 3 semaines pour réfléchir. Ah, et donc je veux le 31 que vous arriviez avec tous les tableaux complets. En attendant, félicitons Clara Burel. Hein, on va faire quand même. Ce petit point, Clara Burel, Chloé Paquet, qualifiée pour le tableau principal, bravo à elle. Et Harmonitaine, on vous l'a dit, contre Cocciaretto, c'est pas passé. En autre qualifié, on a... Ben, tu te souviens, on avait dit... Tu avais dit. Ouais, mais bon, on était tous d'accord que s'il y avait un gros souci dans l'histoire, c'était Tan face à Cocciaretto. Et bon, 19 ans, la jeune italienne, ouais, impressionnant. 6-3-6-1, ça a été rapide. Bon, ça réranier de la partie, hein, encore. Ouais. Pironkova est également là. Après, on a Yuvan, on a Danilovic, Samsonova, Chérif, l'égyptienne. Ah, première égyptienne à jouer un grand chelem. Ouais. Exactement. Et puis, on a Jones. Ah, j'attendais que t'en parles. La Django Reinhardt du tennis. Ouais. Alors, on commence à en savoir un peu plus sur Francesca Jones, qu'on appelle Fran Jones. En fait, on lui a diagnostiqué une maladie génétique à l'âge de 8 ans. Mais quand elle est née, il faut savoir qu'elle avait donc... trois doigts à la main, plus un pouce, au chaque main, hein, plus 3 orteils à un pied et 4 orteils à un autre pied. Elle a subi des opérations et à 8 ans, on lui dit, les toubibs lui disent, écoute, t'es bien gentille, ma fifi, elle tapait la baballe au tennis, elle dit, moi, je veux être joueuse de tennis professionnelle, c'est mon rêve. Mais c'est pas possible, t'y arriveras jamais. Et donc, elle a pris cet avis des toubibs en se disant, ben justement, je vais tout faire pour vous faire mentir. On adore ce genre d'histoire. Et c'est quand même extraordinaire que cette gamine, qui a 20 ans, réussisse à sortir des qualifs de l'Open d'Australie
en battant quand même sur son troisième tour qualificatif, Lu, la chinoise, là, 6-0-6-1. Ouais. C'est quand même énorme pour se retrouver. Elle va se retrouver 220e mondiale, c'est son meilleur classement, bien évidemment. Et la fille, voilà. Enfin, je trouve qu'au niveau de la volonté, encore une fois, c'est un truc. Qui, enfin, moi, ça me. On en parle comme ça, ça a l'air rigolo et tout ça, mais c'est dingue. C'est dingue l'investissement mental, la volonté. C'est dingue, quoi. C'est une super-héroïne. Et on va la suivre aussi. On va la suivre aussi, évidemment, pendant son aventure australienne. Non, je tout précise, en... Shérif, ouais. C'est la première fois qu'elle va. C'est la première fois qu'une égyptienne va jouer ouais. en Australie. Il y a Thomas Desprez là, qui rate pas une dès qu'on dit une connerie. Il nous assaille de messages. C'est bon, ça va. On a le droit de dire des trucs comme ça. On parle, on discute, on est comme au café. On discute. On papote avec vous. Thomas, détends-toi, tranquille. Tout va bien. Tout va bien. C'est bon. Et il y a une seconde. Alors attention, je vais sortir la vanne. Ne le prenez pas mal. Mais il y a une sex qui vient de sortir que Fran Jones, elle devait avoir 20% de réduction sur les manucures. Alors, c'est pas gentil. Mais non, mais non, c'est drôle. Mais c'est drôle. Ah, ça, mais purée, ah, on peut plus rigoler, bon sang, ou quoi. C'est super drôle, c'est ça, bon, ça, quoi. Ça me fait penser à la blague de Christian Quidet qui disait, en parlant de René Richard, qui était la joueuse transsexuelle qui a joué dans les années 70, après avoir joué chez les hommes. C'est quoi, racontez-moi. C'est un individu qui a joué, je ne sais pas s'il faut dire un homme ou une femme, parce que né homme et ensuite devenu femme. Ah bah, c'est un homme. Un homme. Bah non, si elle est devenue femme, c'est non, c'est un homme à la base. Oui, d'accord. Qui a joué sur le circuit masculin et après sur le circuit féminin. Mais qui s'est fait opérer. Voilà, ça a été un... transsexuel. Et Christian Quidet, en parlant de cette joueuse dans les années 70, a dit qu'elle pourrait gagner le double mixte toute seule. Voilà. Donc, voilà. Ça fait penser à ce genre de blague. Totalement déplacé. Je suis à deux doigts de quitter le plateau. Là. Mais qu'est-ce que c'est? Mais non, mais purée, mais bon sang de bois, mais pourvu qu'on puisse encore s'amuser mais sur ce genre de blague. Après, il y a des trucs sur lesquels non, on n'ira pas, mais ça, merde, c'est drôle. Quoi. Okay. Mais et je voulais rajouter, il ne faut quand même pas oublier que sur le Vendée Globe, là, à l'heure actuelle, vous avez quand même Damien Seguin qui est en train de faire le Vendée Globe avec une main gauche, où, enfin, il n'y a pas de main gauche, quoi. Donc, enfin, il faut se rendre compte de ce que ça représente pour ces... Enfin, c'est fou, quoi. Je m'en souviens, il y avait une photo dans Tennis Magazine d'un joueur qui avait été peut-être zéro, je crois, il faudrait que je retrouve l'info, là. Qui avait trois doigts et qui avait eu un très très bon niveau. Mais à ce niveau-là, c'est assez rare. Zéro. Après, on a déjà vu, on dit la Django Reinhardt du tennis, parce que Django Reinhardt, le guitariste, avait oui, mais là, trois doigts. C'est plus à ses pieds que je pense pour l'équilibre. C'est ça qui est impressionnant. On parlait l'autre jour de joueurs qui n'avaient qu'un poumon. C'est vrai. C'est des exemples sublimes. Parce que c'est génial. Quel que soit ton handicap, tu peux. Il y a Dynamo 97 qui dit Julien, mais nous, une question dure. Il n'y a pas de question, mais il y a un coup de fil. Allez, une petite question, mais comme ça, gratuite, une dure. Vas-y, Juju. Avant de partir en Turquie, une question. Juju, t'en as une. Alors, Zabalenka, on est à 15 victoires. Il n'y a rien à gagner. Zabalenka, on est à 15 victoires consécutives. Oui. Voilà. Le record du nombre de victoires consécutives dans l'Air Open, c'est Martina Navratilova. Combien de victoires consécutives a-t-elle obtenu? Combien de matchs consécutifs a-t-elle gagné? Il n'y a rien à gagner, vous dans répondez. Sa carrière, c'est lors de sa meilleure série. Voilà. On répondra à la question à la fin de l'émission. Tu sais combien? Oui, c'est. Non, quoique. On va passer en Turquie, mais alors on va faire très, très rapide. Ah non, juste vous dire non, que c'était un match important. Arrête, Julien. Non, mais juste vous dire, voilà, Demi-Nord a remporté son premier titre cette saison, en 2021, premier titre pour... Non, mais attends, tu peux pas passer Clara Burel et Chloé Paquet comme ça, non, mais tu... Alors vas-y, mon cher, mais alors Benoît... T'es en pleine plaisanterie, non, là. Benoît, j'ai lancé 10 fois, tu es parti sur Jones, tu es parti sur Shérif. Non, mais parce qu'on parlait des autres. Donc si tu prends pas le train au moment où je lance, c'est fini. Non, mais Burel... Alors je saute dans le TGV, là. Et il faut quand même préciser que Clara Burel se qualifie pour le tableau final. Oui, c'est important parce que tu dis on sait. Non, mais c'est quand même dingue. Attends, on savait pas trop avec la Osario Serrano où elle s'était jouée en demi-finale de l'US Open Junior en 2018, comment et ça allait se passer. Elle lui met 4 et 3. Elle est super solide. Elle gagne 27 places. Elle se retrouve aux alentours de la 200e place mondiale. Clara Burel, il faut se rendre compte que si elle n'avait pas été blessée, cette fille serait aux portes du top 100. Donc Clara Burel, qui réussit à se qualifier pour le tableau final de l'Open d'Australie. Mais on y croyait. C'est bravo. Oui, mais on y croit, c'est facile, mais on y croyait aussi pour plein de gens. Mais j'y croyais moins pour Chloé. Elle le fait, quoi. C'est extraordinaire. Je suis admiratif de ce qu'elle fait à 19 balais. C'est vrai, bravo. On ne peut pas laisser passer ça. Et Chloé Paquet, que personnellement, jamais j'aurais pu imaginer qu'elle puisse sortir pour aller jouer son premier Open d'Australie. C'est son premier tableau final de l'Open d'Australie.
où elle fait un super tournoi. Elle fait un super tournoi. Je la trouve plus affûtée. Alors, je peux vous dire que Chloé Paquet, elle est affûtée. Hein. Mais elle est encore plus affûtée qu'avant. Je l'ai trouvée très bien, très construite, très en confiance. Bravo, quoi, les filles. Bravo, les filles. Voilà pour ce point Australian Open, pendant que Julien est en train de faire des petites recherches pendant l'émission. Non, je discute avec... Non, mais ils trouvent tous, là. Il y en a qui mettent 109, mais 109, c'est en double. C'est 74. C'est 74 matchs voilà. Gagnés de suite. Bon, on aura donné la réponse un peu avant la fin de l'émission, c'est tout pas ça, grave. Tout ça pour dire qu'il reste un petit bout de chemin à Sabalenka, si elle veut rejoindre le record de Navratilova. On va en parler de Sabalenka. Non. Et il nous reste quand même Hurkacz, Korda. Je finis très rapidement. C'est le bordel, cette émission. Non, pas du tout. C'est juste pour vous dire qu'en qualification d'âme, on n'en a pas parlé, mais il y a la petite américaine Whitney Oswego, avec le papa qui est originaire du Nigeria, qui a 18 balais, c'est la plus jeune, et qui s'est qualifiée pour l'Open d'Australie. Et je trouve ça extraordinaire ce qu'elle a été capable de faire, cette gamine. Bouzarnescu. Oui, mais c'est, oui. Ouais. Bouzarnescu, bon, qui revient de blessure, certes, mais qui a été 20e, on va dire, en 2018, un truc comme ça. Et elle est menée 6-2, 5-2. Je lui dis, bon, ben, salut, Oswego. Eh ben non, elle a renversé la tendance pour réussir à se qualifier. Cette jeune fille qu'on annonce, hein, qui malheureusement, bon voilà, a toujours été invitée dans le tableau final de l'US Open depuis des années et des années, notamment la première fois en 2017, où elle a 15 balais, elle a 15 ans. Cette fille-là est numéro 1 mondial junior, elle a gagné Roland-Garros chez les juniors, et puis bon, on l'invite à l'US Open, elle n'y arrive pas, elle s'en sort pas, elle essaye de passer des qualifs dans les autres tournois de Grand Chelem, elle n'y arrive pas, et ben voilà, à 18 balais, pour la première fois, elle sort des qualifs en faisant un très très gros parcours, et on va la voir à l'Open d'Australie à Melbourne. On a été plus que complet, je crois, Julien, sur les qualifs de l'Australie. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. De l'Australian Open. Voilà. Bon, on est très complet. On va pouvoir jouer. Non, parce qu'Antalya, bon, écoutez, on ne va pas en parler de cette finale. On rappelle juste que Bublik a été blessé. 8 minutes de jeu, 2-0 triste pour mourir, abandon. Pas de public. Oui. 8 minutes de jeu. Mais ça reste un titre pour Alex de Minaur. C'est un titre, très bien pour lui. À 21 ans, encore le quatrième, il me semble. Il gagne un tournoi en gagnant 3 matchs, c'est tant mieux pour lui, c'est très bien. 7 minutes. Mais c'est la finale la plus triste de ces dernières années. Ça, c'est oui, mais, en tout cas, mais encore une fois, tu te dis que c'était très étrange. On en parlait hier, justement, que Jérémy Chardy réussisse à gagner le deuxième set contre Bublik en demi-finale. Et c'est parce que c'est au milieu du deuxième set qu'il s'est tourné la cheville. Il a eu mal, hop, il a réussi à finir le match. Il a passé 3 heures chez le physio pour essayer de pouvoir jouer cette finale. Et ça n'a pas pu se faire. Dommage. On va modifier un petit peu l'ordre de cette émission parce qu'il y a quelque chose qui intéresse plus que le quiz qui viendra après. C'est le match entre Korda, la finale entre Korda et Hurkacz, Adel Rebic. C'est quand même bien plus intéressant que vos performances lors du quiz. On est bien d'accord. Hurkacz à 1,90, Korda à 2. C'est une première, évidemment, entre l'Américain et le Polonais. Alors, Hurkacz a peut-être plus d'expérience, même certainement plus d'expérience. Est-ce que ça sera la clé, Julien, de cette finale ? Il a plus d'expérience, effectivement, parce que Korda, il découvrait le stade des quarts de finale, il va découvrir ce que c'est que de jouer une demi-finale dans un tournoi ATP. Ça n'a pas l'air de le déranger. Non, mais justement, j'y arrive. Hurkacz a déjà gagné un tournoi, c'était à Winston-Salem. T'as failli l'intégrer. En 2019. Mais ce Korda, qu'on voyait déjà malmené au premier tour contre Kwon, non, il est passé. Qu'on voyait malmené contre Paul, oui, il a été malmené, il a été bousculé. Il est passé. On le voyait perdre contre Isner avec Benoît, il est passé. On ne le voyait pas forcément gagner sa demi-finale facilement contre Nori. Il est passé en 2-7. Et de belle manière, il sert pour le match. Il est breaké à ce moment-là. Nori revient 5 partout. Petite tension. Dans la foulée, il débreak. Le mec s'affole pas du tout. Il est impressionnant. Il met des parpaings gagnants dans tous les sens. Mais il est vraiment dingue. Bon, il a de qui tenir parce que ses deux parents ont été sur le circuit. Il a un papa quand même qui a gagné l'Open d'Australie. Hein. Faut quand même le rappeler. Combien il a été le Petr Korda numéro 3 ? Deux. Deuxième mondial ? Deux. Ouais, il a été deuxième. Numéro 2 mondial. Ouais, il était deuxième. Et sa maman, Regina Shritrova, qui a été 26e mondial. Mm. Donc, sacrée famille. Et lui, je n'ai pas l'impression qu'il ait le trac, qu'il ait les boules, qu'il ait besoin de temps pour prendre ses marques. Donc, il nous épate. Hurkacz aussi. Il n'a pas Il joue. Non, bon, il fait le match qu'on attend de lui contre Harrison. Voilà, il passe assez tranquillement. Tranquillement, pas le premier set. Hein. Ça va, quoi, ça va. Oui, mais bon, ça va. Non, mais ça va. Non, mais
Jessica Rabbit est en train de te dire que c'était pas facile, ça n'a pas été facile. Ça va, c'est pas non mais non, plus. Mais c'est pas Tomic contre Smith au troisième tour. Hurkacz a été assez direct sur son interview d'après match. Parce qu'on lui disait quand même, ton premier set a été un petit peu bizarre, t'es tendu, ça partait pas bien de ta raquette et tout ça. Et Hurkacz a dit, mais en fait, moi, je n'avais qu'une idée en tête. Si je gagnais ce match, je devenais 32e joueur mondial. Donc, je devenais tête de série à l'Open d'Australie. Et c'était mon but au début de ce tournoi. Donc, en battant Harrison, il est 32e au classement mondial et personne n'ira le chercher puisque, de toute façon, le tableau sera établi comme suit. Donc, ça veut dire que tu te dis que t'as un mec qui joue bien, hein, mais voilà, qui, à un moment, refait tomber un petit peu la pression et qui va jouer face à un Korda qui, j'avoue, là, j'ai un peu de mal à imaginer ce qu'il est capable de faire. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est son 5e tournoi ATP. 5e tournoi ATP, le mec est déjà en finale. Et il a fait un 8e à Roland et une finale à Delray Beach parmi ses 5 tournois. T'imagines ? Et après Roland, tu vois, si on veut un comparatif avec Hugo Gaston, par exemple, hein, qui lui aussi est parti sur des challengers après Roland, Hugo Gaston n'a pas du tout réussi à enchaîner même à un niveau plus faible. Korda, alors que Korda, lui, en a fait 2, a perdu en quart sur le premier et a été gagné le deuxième. C'est-à-dire que Korda, en fait, c'est sa 9e victoire d'affilée parce que sur le dernier tournoi de Challenger qu'il a joué en 2020, il l'a gagné. Donc ça veut dire qu'il est à 17 victoires sur ses 19 derniers matchs, Roland-Garros inclus. Et quand tu vois l'évolution du tennis de ce mec, avec cette petite parenthèse du côté de l'académie de Agassiz Graf là, à Las Vegas, j'avoue que ce gars-là m'intrigue. Il progresse à vue d'œil, il a un niveau pour un joueur régulière. Pour un joueur qui n'est pas encore dans le top 100, il a un niveau de dingue. Ouais. Comme Alcaraz, dont on parlait tout à l'heure, il y a vraiment des mecs qui ne sont pas encore dans le top 100. Il est 103e. Et qui impressionnent. Voilà, bon, s'il gagne, il sera 87e. D'ailleurs, on nous demandait tout à l'heure sur le chat, si Korda gagne Delray Beach, il est 87e. Est-ce qu'il peut prendre la place Disney à l'Open d'Australie? Non, ça ne se passe pas aussi facilement. Non. Parce qu'on prend le classement. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce qu'il est américain qu'il va prendre la place Disney. Voilà. Non, oui, déjà, oui. Puis on prend le classement de 6 semaines avant. Non, ça marche pas. Il ne suffit pas d'être dans le top 100 juste avant le tirage au sort pour que ça passe. Mais je ne pense pas qu'il ait de pression particulière, Korda, pour cette finale. 75% de nos parieurs vont sur Korda. Bah, voilà, Marie, ça ne m'étonne pas. C'est un tournoi de 150, ils jouent hors cash. Pardon, excuse-moi. 75%. Ouais, les gens vont sur Korda. Ouais, vont sur mais ils voient un 3-7. Hein. Ouais, alors, le nombre de sets, c'est très compliqué, là, de lire ça. Mais Korda est tellement impressionnant. Alors, je ne le voyais pas, même pas passer le premier tour dans ce tournoi. Là, il est en finale, donc ça peut paraître bizarre que je le pronostique vainqueur, mais je donne Korda gagnant. Moi, je peux pas. Je mets un petit billet dessus. Hein. Je peux pas. Tu vas pas, non, parce que ce serait tellement... À force de parler avec tous ces joueurs, quel que soit leur niveau, même les joueuses, te disent que la finale... Et Sabalenka l'a encore rappelé, la finale, c'est vraiment un truc complètement différent. C'est-à-dire que tu effaces absolument... C'est très étonnant comment ils arrivent à gérer ça. Ils effacent tout ce qui se passe avant, sur la semaine ou la quinzaine, pour essayer de ne penser qu'à ça. C'est-à-dire, j'évacue tout ce qui a pu se passer, toutes mes fatigues, toutes mes frustrations, tous les moments où j'ai douté, pour ne garder que le positif. Et quand t'arrives... Et apparemment, c'est une gymnastique mentale qui est assez compliquée. Or, Hurkacz l'a fait et a gagné Winston-Salem en 2019 à cette expérience de ce dernier jour. Si Korda y arrive parce qu'il a eu André Agassi, Dédé la menace au téléphone, parce qu'ils sont au téléphone tous les jours. Donc imaginons que Dédé lui dise « voilà comment il faut que tu gères le truc » et que Korda arrive à battre Hurkacz, je trouverais ça dingue. Ouais, mais Benoît, c'est pas Roland-Garros la finale. Là. Alors son père a joué la finale de Roland-Garros, il s'est un peu. Non, mais la première finale, c'est n'importe quoi. Attends, c'est l'ATP. Tu parles d'un tour. Mais là, un gamin. Et s'il arrive avec toute son innocence, tu sais, je en désacralisant peut-être un peu le moment. Je le vois pas trembler. Franchement, vu ce qu'il a montré hier, j'ai regardé la demi-finale. C'est pas une question de trembler. Je le vois pas trembler du tout. C'est une question de tout d'un coup. Voilà, c'est que tu vas réfléchir un peu trop parce que tu te dis que c'est une finale et que les points comptent double. Alors surtout pas, il faut prendre ça comme un... C'est un match particulier, mais il faut le prendre comme un match normal. Enfin, c'est hyper compliqué. Tu as rappelé en plus la stat, c'est son 5e tournoi, il est en finale. Il fait des débuts fracassants sur le circuit. Voilà, s'il est amené à être un grand joueur, je pense qu'il va gagner ce match. 3-7 sans vainqueur, c'est quoi? Korda. 3-7 sans vainqueur, c'est à 2. Non. 3-7 sans vainqueur, c'est à 2, ouais. Autant jouer Korda. Moi, je vais à 3. Korda vainqueur, c'est à 2. Ouais.
Bah, 3-7 sans vainqueur, c'est à 2, parce que je ne sais pas, entre la décompensation mentale de Hurkacz, ça y est, tête de série à l'Open d'Australie, et Korda qui dispute sa première finale de l'ATP, avec deux joueurs. Korda est peut-être plus riche dans l'absolu, dans la palette de coups, mais Hurkacz a quand même plus d'expérience, et c'est un gars qui est hyper compliqué à jouer, quoi. Donc, à un moment ou à un autre, j'avoue que je ne sais pas. Saute-t-il comme son père après une victoire? Oui, il le fait. Il faisait le ciseau, là. Il le fait. Bon, voilà, pour cette finale de Del Rey. Il le fait, mais quand il a gagné l'Open d'Australie junior... Il en hommage à son père. Peut-être pour ceux qui ne savent pas. Eh bien, en fait. Ouais. Fais-le. Petre Korda. Mets-toi devant. Petre Korda. Pète pas la table de ping-pong. Je ne sais pas si on va voir. Là, on ne voit rien. Oh, le ciseau de merde. Oh, le mini-ciseau. Oh, je me suis pété une rotule. Voilà, non, mais il sautait très haut en croisant les jambes. Non, mais il sautait pas très haut. C'était juste un petit truc comme ça. Non, non, il sautait très haut. Enfin, voilà. Donc, son père l'avait fait quand il avait gagné l'Open d'Australie en 92. 98, l'Open d'Australie. Non, je t'en prie. Contre Rios en finale. Non, quand même, 92, c'est courir qui gagne l'Open d'Australie. Oh, tu vas être bon sur le quiz. Je ne sens pas sur le quiz. Ah, la vache. Et donc, Korda l'a fait quand il a gagné l'Open d'Australie en 87. Bon, en tout cas, 3-7 sans vainqueur pour Benoît à 2. Si tu devais choisir, tu irais plutôt sur Hurkacz, ce que tu as laissé entendre. Oui, oui, sur l'expérience, je vais sur Hurkacz. Et mon cher Korda, Julien, toi, Korda, victoire sèche à 2. Voilà pour Del Rey Beach, la finale à regarder sur Winamax TV. Évidemment, 1 euro seulement sur votre compte. Petit quiz avant de parler de Sabalenka rapidement. Alors, petit quiz, il y aura de l'argent à gagner sur le chat. Sabalenka sera après le quiz, quoi. Oui, parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. On va l'expédier. Zabalenka, on peut y aller vite. Autant finir sur le quiz et le mini-ping. Oh, bah si vous voulez. Allez, Jessica Rabbit, sois gentil. Allez, vas-y. Alors, Sabalenka. Et en régie, il est fort. Hein, parce qu'on a pété tout le conduit et il est en train de suivre. Donc là, c'est une machine. Alex, bravo à toi en régie. On va donc partir sur. Alors, attends, Alex, déjà, il a un boulard sur comme Sabalenka. Ça. Alors, Sabalenka, sacré, on l'a dit, 15e victoire consécutive, 3e sacre. Consécutif. Il n'y a clairement pas eu match, Benoît, contre Kudermetova. Ou Julien, d'ailleurs. Non, il n'y a pas de match. Elle est impressionnante. C'est marrant, parce que tu rappelais ça tout à l'heure, tu voyais le côté, le verre à moitié vide. Toi, tu... Non, mais t'as vu, il balance tous les verres. Mais t'avais raison. C'est vrai. Non, j'ai dit en arrivant, elle ne bat pas de top 10 sur cette série de 15 victoires. C'est vrai que c'est nul, en fait. Elle gagne 3 tournois. Non, mais. Poucra, j'ai pas dit ça. J'ai juste, voilà, constaté qu'elle n'avait pas gagné de top 10 sur ses 15 victoires. Ce sera la joueuse la plus dangereuse qu'elle ait jouée, c'est Sakkari. Exactement. Qui est énorme. Et elle l'a atomisé. En une heure, une minute. Qui est énorme. Ce sera l'une des grandes curiosités de cet Open d'Australie. Parce qu'on l'attend en grand chelem. Qui aura lieu en février. On l'attend en grand chelem. On n'a jamais dépassé les 8e. Mais là, ce qu'elle a fait à Ostrava, Linz et à Abu Dhabi, voilà les 3 tournois qu'elle a gagnés consécutivement. Non, mais c'est monstrueux, bravo. Je n'y crois clairement qu'elle a des droits à l'Australienne. Ben, je ne crois. J'ai peut-être sa cote. Je ne crois pas. Vas-y, c'est quoi sa cote à l'Open d'Australie? Après, c'est arrivé. Parce que elle est passée 3e. Faut quand même. C'est arrivé 1 million de fois dans l'histoire du tennis que quelqu'un qui enchaîne les victoires en tournoi avant un grand chelem se plante dès le premier tour. Ça, c'est arrivé. Ça arrive à chaque grand chelem d'ailleurs. Il y a toujours quelqu'un qui est fort. De toute façon, la série va s'arrêter. Elle est à 11. Elle est à 11. Devinez qui est favo. Non, mais elle ne gagnera pas. Il faut arrêter là. Bah, Barty. Non, Osaka à 8,50. Ah oui, attends, la favorite est quand même à 8,50. Ouais. Et Barty à 10. Voilà pour les cotes. Vous pouvez cliquer dessus, hein, déjà, les amis, sur le site de Winamax. Bon, Sabalenka à 11, vous n'y croyez pas. Non, la victoire, quand même, non. Mais on a quand même 36% de nos parieurs qui vont dessus. Hein. Ah, Barty, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Il n'y a pas de match. Il faut des matchs. Elle n'a pas joué pendant un an, Barty. C'est dingue. C'est dingue, à un moment ou un autre, même si, quel que soit ton niveau, quand tu vas jouer les meilleurs, il faut que tu aies des matchs dans les jambes. C'est pas possible. Bah, Louis-Marie voit Sabalenka gagner l'Australian Open. Alors, je n'y crois. Alors, malheureusement, je n'y crois pas. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Jessica Rabbit, moi, je trouve qu'elle a tout à fait raison. Parce que quand elle gagne Ostrava et Linz en fin d'année, on est quand même dans une année complètement particulière où il n'y a plus du tout les meilleurs qui jouent Ostrava et Linz. Et elle va gagner à Abu Dhabi où, oui, effectivement, il y a Sofia Kenin, sauf qu'elle ne joue pas, hein, puisque c'est Sakkari qui la débarrasse de Sofia Kenin. Elle ne joue pas Svitolina, puisque c'est Kudermetova qui s'occupe de la dégager. Plíšková disparaît, Muguruza disparaît. En fait, après, attention, hein, elle gagne le tournoi, c'est extraordinaire, c'est génial. Elle fait ses 3 tournois d'affilée.
C'est parfait. Elle a confiance, elle est au max. Elle est septième mondiale. Ouais, elle est septième mondiale à 22 balais. Meilleur classement. Hein. C'est parfait. Oui, oui, ouais. Meilleur classement. Donc rien à dire. Elle est invaincue depuis le 22 octobre. Ok. C'est sûr que pour les fêtes de Noël, elle est tranquille, la fille. Mais toujours est-il que tu te rends compte que dans les tournois du Grand Chelem, dès que ça commence à monter en pression, dès que tu arrives en début de deuxième semaine, Sabalenka a tendance à un petit peu partir dans tous les sens. Donc, est-ce qu'elle a tout rangé dans sa tronche? Pour l'instant, moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je ne vois pas du tout Sabalenka remporter l'Open d'Australie. Non, pas remporter. Le nom qui circule les cotes, mais le nom qui circule le plus sur YouTube là pour gagner, c'est Simona Halep. Comme le dit Babas, la pression n'est pas du tout la même dans les tournois de Grand Chelem. Oui, alors après, elle sera plus en rythme, elle aura plus de rythme hein, que les... Bon, Clara Burel va gagner. Quand Top of the Coke te dit Clara Burel va gagner, là, Top of the Coke, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes à Top of. Et tu oublies la fin. Et pourquoi pas, Benoît? Et pourquoi pas? Non, mais non. Non. Bon, en tout cas, on espère le meilleur, évidemment, pour Clara Burel. Voilà. Il faut qu'on note tout ce qui se dit, là, hein, parce que... Tu regarderas l'émission, c'est en replay, à consommer sur YouTube. Parce qu'on en parlera à l'Open d'Australie. Sabalenka, elle envoie des briques. Ouais, c'est même pas des briques, c'est des murs. Elle envoie des murs. Et vous avez envoyé de l'argent à nos winners maintenant. C'est leur quiz. Ah non, quiz. Là, on va enchaîner, ça va pas plaire à notre super héros du jour en régie. Alex. Parce qu'on va enchaîner les quiz. Donc, concentre-toi, essaye de suivre un peu ce qui se passe. C'est pas très cool. Point d'exclamation, quiz. Team Julien, Team Benoît. D'accord. Il y aura 5 euros par bonne réponse. Alors. Je suis pas bon à ça. Mais rapidité, c'est pas. Alors, t'es la Bible du tennis, t'es pas bon à ça. Rapidité, je peux dire que tout le monde t'attend au tournant. Ça sert à quoi d'être rapide quand on répond à une question? Ça sert. Alors, on y va. Donc, un dictionnaire sur qui sur 3, remporte l'Open d'Australie en 2014? Wawrinka. Oui, Wawrinka contre Nadal en 4-7, ça fait 5 euros pour Benoît. Cette même année, on a deux Français en 8e, qui sont-ils? Simon, mon fils. Non, c'est pas ça. Songa. En 2014. Et alors, le deuxième. Songa Casquet. Le deuxième est Lucky Loser. Tsonga Robert. Oui, Tsonga Stéphane Robert. J'avais oublié que Stéphane Robert, il perd contre Murray en 4-7. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et Tsonga perd contre Roger Federer. 5-5. Stéphane Robert qui est l'entraîneur de Zvonareva. Hein. Pourquoi? Alors là, question magnifique. Je vous expliquerai un petit truc derrière. Pourquoi la finale de 72 a failli ne pas avoir lieu? Parce que Ken Rosewall était bloqué dans des embouteillages dans la voiture qui le menait au stade. Oui, c'est ça. Et il a dû arriver sur la moto d'un agent de police. 10, 5. Et en fait, vous savez pourquoi? Je suis allée sur Internet regarder des anecdotes de l'Open d'Australie. Je tombe sur un article pour faire mon quiz. Article signé par qui? Julien Pichot. Ah bah c'est sûr. Voilà. Ah non, bah tu reprends les trucs qu'il a écrit. Allez, il doit... 10 euros Julien, 5 Benoît. Bah, j'ai pas le temps de raconter, c'est dommage. Vas-y. Non mais il est au stade, il est bloqué dans un embouteillage et tout, puis il se rend compte qu'il va arriver en retard pour la finale. Et là, il croise un flic à moto. Benoît, oh, je t'en prie. et il dit au flic, il faut que j'aille au stade pour la finale de l'Open d'Australie. Et l'autre, il dit, vous ne serez pas à l'heure pour le match. Là. Non, au début, il le prend pour un parfum. Joue, voilà, mais je joue la finale, je suis Ken Rosewall. Et l'autre dit, montez avec moi. Et puis il l'a amené en moto jusqu'au stade. Il fait les images. C'est une belle histoire, c'est magnifique. Imaginez Nadal qui arrive au stade de l'Open d'Australie, escorté par un flic à moto. Enfin, ça serait incroyable. Federer ne participera pas à l'Australienne cette année. Non ! Qu'il a remporté 6 fois. On est d'accord jusque-là, contre qui s'impose-t-il pour son premier sacre à Melbourne ? Gonzalez. Non. Non, le premier, c'est en 2004, c'est... Oui. Hewitt. Non. Non, 2004. Safin. Oui, Safin. 10, il égalise. 10-10. Safin et Hewitt, c'est 2005. Là, c'est hyper facile, ça va être dû de la rapidité. Le dernier Français à avoir fait demi à Melbourne. Tsonga. Non, 2019. Merde, c'était qui? 2019? Oui. Demi à Melbourne? Ah, Pouille! Ben oui, Lucas. Putain. Pouille, évidemment. 15 euros. On l'oublie. 15 euros pour Julien, 10 pour Benoît. Nadal n'a remporté ce tournoi qu'une seule fois. Combien de finales a-t-il perdu en Australie? Alors, il gagne 3. 2009. Non. 2. Non. 2. 4. 4. 4, c'est Julien Pichenet, je compte plus, mais je crois que ça fait 20, 10. 2019, Djoko. 2017, Federer. 2014, Wawrinka. 2012, Djoko. Qui est la dernière Française à faire Caramelbourne en simple? Caramelbourne en simple. La dernière? La dernière. C'est pas pire, quand même. Non. Je vous donne un indice. C'est en 2009 et elle perd contre Zvonareva. La dernière Française en à avoir 2009, fait Caramelbourne en simple. En 2009...
D'accord. C'est qui en 2009? On l'adore. On l'adore. On la connaît. On voit qui c'est. On voit qui c'est. On la connaît. On l'adore. On en a déjà parlé dans Sans Filet. Oh ouais. Oui. Elle joue encore. Elle est plus sur le circuit. Non, elle est plus sur le circuit. Non. Mauresmo. Non. Alors. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bartoli. Bartoli. Marion Bartoli. 25 euros. 10 euros. Je crois que j'ai bien compté. J'espère. Sinon, vous me dites. Et dernière question. Dernière question. Qui a remporté l'édition 86? Il n'y a pas eu d'Open Australie en 86. Oui, personne. 30 euros pour la team Julien, 10 euros pour la team Benoît. Non, mais quoi, je ne vais pas te donner un nom. Mais non, mais tu ne peux pas lui donner le point. Bien évidemment qu'il n'y a pas eu de vainqueur en 86. C'était personne. Il fallait dire personne. J'adore. Ça, c'est la meilleure question du monde. Voilà, qui a gagné l'Open Australie en 86. J'adore. Voilà, donc pour ce petit quiz, on va pouvoir... Combien je me suis pris là? 30 euros. Et c'est, alors, 30 euros et 10 euros pour la team Benoît. Alors, regarde, toi, t'as Chétan 08. Chétan 08 qui a donné. 10 euros, ouais. Chétan. Attends, je vais l'humilier au mini-ping. Donc, j'ai fait gagner 30 euros à... Mais j'arrive pas à dire... À 9 Némésis. Némésis. À Némésis. Salut à toi, mon ami. Salut à toi, Némésis. Fais-en bon usage. Tout de suite, la partie de ping-pong, la dernière. Ouais, ouais. Time break. Ouais. Enfin, c'est pas la dernière. C'est la dernière. La dernière avant le 31 janvier. La dernière avant le 31 janvier, exactement. Allez, bah on va rentrer en quarantaine. Quiz. Team, on va se mettre nous aussi en quarantaine. Team Julien, Team Benoît, les cotes sont atroces. Je crois que Benoît, tu as un 10 ou un truc comme ça. 50 euros si Julien s'impose. Julien Pichenet peut faire gagner 80 euros aujourd'hui dans cette émission. Ah, c'est pas mal. 50 euros pour Julien, 10 euros pour Benoît. Bon, Benoît, allez, c'est à toi de choisir. Non. Tu sers? T'es sûr? T'es sûr que tu sers? Il y a un ami d'amis qui m'a envoyé des conseils sur Instagram. Oh, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, je vais pas le dire. C'est pas mal pour l'instant. 1-0. Voilà. Oui. Déjà ton masque? Ouais. Ah merde. Mais c'est pas grave, tu l'as, toi. Bon, enfin, c'est pas grave. Si, il faut mettre les masques, les amis. Bah, tout le monde doit le mettre. Hein, non, mais je peux pas. Disqualifié, Benoît Mélin. Victoire de Julien Pichenet. Non, parce qu'il est hors de question que je sois le seul à le mettre. Bah, enlève ta crête. Allez, enlève ta crête. C'est le moment, Benoît. Non. Il faut la lâcher. Jamais. Un partout. Attends. On pronostique 5-3 pour la piche dans le chat sur ah bon Winamax. Ah bon ouais, mais alors, attends. On est ambitieux. Hein. Attends 2-1. Non, c'est pas. Le one all. OK, c'est parti. Non, attends. 2-1. Ah d'accord, ok, d'accord. Il est parti sur le service, ouais, 2-1. 2-2. Tu vois la balle ou pas? Le suspense, c'est insoutenable. 3-2. Non! 3-3. Merde! 4-3, balle de match. Qu'est-ce que c'est que ce service de Marion Bartoli? Oh, 4-4! Deux points d'écart! Ouf. Non, yes. Pas de match pour les 50 euros, Julien. Le niveau de jeu est catastrophique. Catastrophique, quoi. Mais c'est pas grave, on prend quand même. C'est une finale. 5-4 pour toi. Non. Ah, t'as pas le droit, Julien. 5-5. Allez. Yes. Ouh. Yes. 6-5. 6-6. Allez, Benoît. 7-6 pour moi. Yes! Victoire de Benoît, match sublime! Non, le niveau de jeu était. Oui, mais la dramaturgie était énorme, Julien Pichenet. Merci à tous d'avoir été avec nous, en tout cas, pendant ces 10 jours, les amis. On s'est régalé de vous retrouver tous les soirs à 19h. C'était très, très cool. Merci à vous, merci à Alex aujourd'hui qui a été particulièrement. Oui, oh, ça va, excellent. Ça va! Si, j'aime beaucoup quand ça suit. Et bravo à Alex en régie. Merci à vous, surtout que ce soit sur Winamax ou sur YouTube, de nous avoir suivis pour cette reprise. Notez bien. On se retrouve le 31 janvier, les amis, pour Melbourne 1 et 2, d'accord? Et puis tout l'Open d'Australie. Et tout l'Open. Après, on se quitte plus. Et on fera la finale de l'Open d'Australie comme avant? Ben, on espère. Ouais, on me dit que j'ai pas de mental maintenant. Mais t'as pas de mental, à suivre, du football sur Winamax. Le Winamax Football Club va suivre, les amis. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, surtout, c'est important. Et on se dit donc rendez-vous le 31 janvier. The people too.